1957. Le traité de Rome instituant la communauté européenne est signé par les six. Il définit les bases de la PAC et lui donne une orientation résolument productiviste. Principaux objectifs: apporter l'autosuffisance alimentaire à l'Europe et moderniser le secteur agricole. 1958, la conférence de Stresa en Italie réunit les six ministres de l'agriculture. Ils précisent ensemble les grandes orientations de la PAC: unicité des marchés, solidarité financière et préférence communautaire. Le commissaire chargé de l'agriculture, l'ancien ministre néerlandais Mansholt, s'engage à élaborer des propositions concrètes. 1962. Après de longues négociations avec les États membres, soucieux de déléguer la gestion de leur politique agricole, le Conseil adopte les propositions du commissaire Mansholt. Parmi elles, la création de six organisations communes de marché et la mise en place de règles concurrence. Le Conseil entérine aussi le lancement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dit FEOGA. Représentant 60% du budget communautaire, il sert à financer la PAC. 1972. La PAC est victime de son succès. Préoccupée par l'explosion des excédents des produits céréaliers et laitiers qui plombent le budget de la PAC, Mansholt lance un plan à long terme. Objectif: encourager la disparition des petites exploitations en favorisant la reconversion professionnelle des agriculteurs. Très critiqué, le plan Mansholt sera tout de même adopté par le Conseil. 1984. Pour accélérer la réduction des excédents, la Commission met en place des quotas de production, notamment dans le domaine laitier, et une politique de réduction des prix de soutien. Mais cette initiative ne suffira malheureusement pas à adapter l'offre à la demande européenne. 1992. Constatant l'échec de ces plans successifs, l'Union lance la première réforme en profondeur de la PAC. La politique de soutien se réoriente et les prix garantis se rapprochent du niveau des cours mondiaux. C'est aussi le début des mises en jachère, soit un gel de 10% des terres qui durera jusqu'en 2008. 1999. Un deuxième plan de réforme de la PAC, dit Agenda 2000, est mis en place. Il fixe pour la première fois un cadre financier et prépare l'arrivée de 10 nouveaux membres. Autre objectif, rendre la politique agricole commune compatible avec les règles de l'OMC, soit plus de libéralisme. 2003. Les accords de Luxembourg, menés par le commissaire européen Franz Fischler, introduisent le découplage. Le versement des aides se fait indépendamment des volumes produits. Un agriculteur reçoit une subvention s'il respecte un certain nombre de conditions, agricoles et environnementales. Cette réforme a pour but de favoriser le développement de l'activité économique rurale. 2008. Lors d'un bilan de santé de la PAC, les ministres européens de l'agriculture s'accordent pour supprimer progressivement les quotas. Pour le secteur du lait, la fin des quotas est annoncée pour 2015. Cette mesure est vivement critiquée par les producteurs et sera à l'origine de la crise du lait de 2009. 2009. À la suite de la présidence française de l'Union européenne, les consultations se succèdent pour redéfinir la nouvelle PAC, qui doit entrer en vigueur en 2015. La position française, qui demande le maintien d'un budget conséquent, est critiquée par les responsables européens, qui prônent quant à eux une baisse drastique des subventions. Affaire à suivre. Si on fait un tout petit rétro sur 4-5 ans, on est passé quand même par plusieurs phases. Des prix hauts, des prix très bas, et puis à nouveau, bon, une tendance qui est plutôt à l'amélioration. Ça montre deux choses. D'abord, un, c'est que nous sommes sur un marché qui est extrêmement volatile aujourd'hui. Alors, il est volatile pour des tas de raisons. D'abord, parce que les marchés mondiaux eux-mêmes, qui ne sont plus vraiment régulés en tant que tels, le coût des matières premières, tout ça influence évidemment le prix du lait. Deuxième explication, c'est qu'on voit bien qu'il y a une forte influence aussi aujourd'hui, au regard notamment de cette réactivité des marchés, par des pays dont, alors je pense par exemple à l'Océanie, hein, Nouvelle-Zélande en particulier, qui sont finalement très très réactifs par rapport au marché. Et ce sont des pays où, contrairement peut-être à la France et à l'Europe, avec notre système de quotas, en tout cas jusqu'à maintenant, faisait que peu ou prou, d'une année sur l'autre, on avait une certaine constance sur la production. Parce que le producteur savait qu'il avait tant de volume à produire, que le marché pouvait avaler tel type de quantité. Ce n'est pas vrai dans d'autres régions du monde. Et du coup, cette variation qui fait ou non l'équilibre sur les marchés mondiaux influence forcément le prix.
fait en 2012, et nous l'avons constaté, un nombre plus important de cessations laitières. Ce qui est inquiétant, c'est que ce ne sont pas des gens qui arrivent en fin de carrière qui font le choix de la cessation laitière, mais véritablement aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes engagés qui ont modernisé leurs outils et qui font le choix pour des raisons qui leur sont propres et dont on doit entendre le fait de cesser cette production. Alors elles sont différentes catégories, je crois que d'abord... pour quelques-uns, un problème personnel, on n'entrera pas dedans. La question de l'exigence à cet atelier de production, l'exigence en temps passé, l'exigence qui est posée, le temps consommé à la mise en place, les capitaux lourds à engager également. Donc ça, on l'entend, de la modernisation de ces ateliers, et quelquefois, pour certains, un côté peut-être facilité... et un marché également, puisqu'on est polyculteur-éleveur, qui depuis quelques années, il y a un marché des céréales, qui est porteur, tant mieux, qui est porteur, et qui fait que les choix des hommes et des femmes vont plutôt à faire de la céréaliculture sur leur zone propre. La conjoncture pour la filière laitière, elle est très mauvaise, hein, depuis maintenant au moins 6 mois, hein, étant donné que d'un côté, les coûts de production... augmente de manière très très importante, hein, puisque vous avez les coûts de l'alimentation, les coûts de concentré. Prenez le tourteau de soja, il était à 280 euros encore il y a 2 ans. Aujourd'hui, il est plutôt à pratiquement entre 500 et 600 euros, hein, selon la période. Donc c'est très très important. Et de l'autre côté, vous avez le prix du lait, le prix de base du lait qui a chuté en 2012. Mais bon. Je crois que l'augmentation des coûts de production, c'est beaucoup plus difficile à vivre que finalement la chute du prix du lait. Puisque quand on regarde un petit peu, le prix du lait sur 2012, il aura chuté d'environ 12 euros hein, au 1000 litres. Mais si on regarde un petit peu au niveau des critères technico-économiques dans les exploitations, rien que l'augmentation du coût de concentré, c'est entre 30 et 40 euros au 1000 litres de supplément hein, par rapport à 2011. Et quand on a à côté des exploitations céréalières, effectivement, où le prix a explosé hein, sur ces 2 dernières années, et avec des contraintes qui sont nettement moindres hein, par rapport à la production laitière, hein, c'est quand même un métier très contraignant, qui nécessite des investissements importants, il faut être là tous les jours. Et donc c'est vrai que le moral des éleveurs laitiers, je dirais qu'il est au plus bas en ce moment. Donc beaucoup se posent la question, effectivement, c'est dans l'air du temps, hein, est-ce qu'il faut continuer à faire du lait ou finalement est-ce qu'il faut tout labourer pour faire des céréales? Du tout. Dans une impasse, on connaît pas la... Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, on ne connaît toujours pas le budget, donc on ne sait pas ce qui va pouvoir être partagé. Et après, on ne sait encore pas comment la France va repartager son enveloppe, parce qu'il y a le budget européen, il est reventilé suivant les hectares des pays, et après c'est chaque pays qui en fait un petit peu ce qu'il en veut. Alors ce qu'on n'a pas non plus parlé, c'est quid demain d'un deuxième pilier ou pas. S'il y a moins de... Je rappelle le premier pilier, c'est un pilier économique, on va faire simple pour moi le premier pilier, c'est lié à la production, hein, aux hectares. Et le deuxième pilier, c'est un pilier un peu plus idéologique. Dans le deuxième pilier, il y a aussi des aides pour ceux, par exemple, au lieu de faire du désherbage chimique, qui vont s'engager à réduire les doses et puis acheter du matériel pour faire un truc un peu plus mécanique. Mais plus dans l'idéologie, le deuxième pilier, et le premier dans l'économie. Et le risque, quand il y a un basculement, ça c'est mon expérience, et croyez-moi, c'est... Ça a toujours été comme ça, quand il y a un basculement du premier pilier vers le deuxième, on ne retrouve jamais tout parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux, comme on dit. Et le risque demain, c'est que le deuxième pilier, on voulu s'en faire un pilier rural, et c'est que les communes puissent avoir accès aussi au deuxième pilier. Ça serait la double peine pour les producteurs, pour le paysan en général. Rien n'est bouclé, parce qu'il y a eu une proposition de la commission et ça va être débattu.
C'est vrai que notre attention aujourd'hui, elle est particulière pour l'élevage, hein, qui en plus aujourd'hui, si on peut satisfaire qu'il y a des cours intéressants dans certaines filières, notamment les filières végétales, c'est une étape difficile pour l'élevage laitier aujourd'hui, enfin l'élevage laitier, d'ailleurs l'élevage en général, puisque le coût des matières premières est élevé, à la fois céréales et protéines. La réforme de la PAC telle qu'elle est proposée, hein, c'est une convergence du niveau notamment des aides du premier pilier, hein, qui risque telle qu'elle est posée sur la table de faire mal à l'élevage laitier, hein, puisque c'est votre question. Souvent sur des exploitations où finalement en général il y a quand même plutôt plus d'actifs que dans d'autres systèmes d'élevage et plus largement en tout cas un nombre de gens qui travaillent sur des exploitations plus importants, où forcément, pas forcément sur beaucoup de surface, on avait cherché à finalement intensifier un petit peu la production, intensifier la valeur ajoutée qu'on crée dans les exploitations, donc du coup des montants historiques, hein, assez élevés sur les élevages laitiers, et du coup une convergence linéaire, hein, risquerait de pénaliser effectivement fortement l'élevage laitier. Donc voilà, on a cette volonté-là. Ce qu'on n'oubliera pas surtout, hein, c'est de se dire aussi qu'on aura aussi d'autres leviers, notamment dans le cadre du deuxième pilier de la PAC, hein, qui doivent aussi nous permettre de trouver d'autres solutions. Je pense à la méthanisation, je pense à la modernisation des bâtiments d'élevage, hein, qu'il faut pas aider. Je crois qu'il y a évidemment le revenu, et en quoi la PAC peut y aider, mais je crois qu'on a beaucoup d'attentes et d'ambitions. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer sur le deuxième pilier pour moderniser, pour trouver d'autres débouchés, pour structurer aussi les filières. Je crois que le prix, on l'obtiendra aussi parce qu'on a des filières qui derrière arriveront à trouver d'autres débouchés, à aller faire de l'innovation, hein, pour réussir à créer des produits qui permettent de se démarquer, de créer de la valeur ajoutée. La suppression des quotas, elle est actée déjà depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'évoquais avec vous 2003, hein, donc ça a été, il y a eu une importante réforme de la PAC en 2003, il y a eu ensuite un bilan de santé, hein, donc je ne sais plus si c'est en 2007 le bilan de santé, 2007-2008, enfin en tout cas il y a eu régulièrement, hein, donc tous les 3, 4, 5 ans, il y a une revisitation des règles de la PAC, hein, mais toutes les évolutions de la PAC vont dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir il faut maîtriser le budget, hein, il ne faut pas que ça parte en live au niveau du budget, hein, il faut que la PAC soit de plus en plus proche des attentes de la société, hein, donc d'où la conditionnalité des aides, d'où le verdissement, d'où la préoccupation des citoyens aujourd'hui, c'est pas d'avoir à manger dans leur assiette, c'est que ce qui est dans leur assiette a été produit de façon vertueuse. Hein. Donc c'est, la PAC s'adapte à ça et met en place des règles qui accompagnent ce souci de vertu au niveau de l'acte de production, de l'éthique de la production, etc. Hein. Et puis l'obsession quand même, hein, c'est ce qui a signé la fin des quotas, mais pas seulement des quotas laitiers. Hein. Il y avait une menace sur les quotas betteraves, il y avait une menace sur les droits de plantation de vignes. Il y a une obsession libérale qui anime la PAC et qui l'anime encore plus depuis l'arrivée des 10 derniers pays entrant dans l'Europe, qui ont été pendant 40, 50, 60, jusqu'à 70 ans pour certains, sous le joug du socialisme communiste, enfin je veux dire de la planification à outrance. Hein, et qui, le jour où ils ont été libérés de tout ça, ne rêvent que d'une chose, c'est la liberté. On attend le budget, hein, puisque le budget de la PAC, il est rediscuté tous les 5-6 ans au niveau européen. Et à chaque fois qu'il y a une discussion du budget, il y a toujours une réforme, parce qu'on pense toujours que le système avant n'était pas bien, qu'il faut changer. Alors aujourd'hui, les États européens sont en pleine discussion sur le budget. Alors on attend avec impatience le budget. Je pense que ce qu'on peut dire sans beaucoup se tromper, c'est qu'on va rester une année de plus sous l'ancien régime, comme on dit, parce qu'avant que les pays arrivent à se mettre d'accord déjà sur le budget et après que les États membres se mettent d'accord sur la distribution du budget, on pense tous qu'on va rester encore une année sous l'ancien régime avec l'ancien budget. J'avais cru à un moment donné que le revenu était la priorité numéro un. Ça reste une priorité. On est mieux dans sa salle de traite, on est mieux à supporter les contraintes quand on gagne correctement sa vie que quand on perd de l'argent à chaque litre de lait produit, c'est clair. La situation du dernier trimestre 2012, pratiquement chaque litre de lait produit coûtait aux producteurs de lait, ça ne peut pas durer. Bon, ça va déjà mieux, là. Enfin, les espérances pour le premier trimestre 2013 sont meilleures.
Donc le revenu, ça reste une condition importante. Les conditions de travail, c'est une autre condition extrêmement importante et ça doit être accompagné par les pouvoirs publics dans une politique d'investissement sérieuse, comme celles qui ont déjà eu lieu. Le dernier plan de modernisation des bâtiments d'élevage commence à dater un peu. Il a été concomitant à la mise aux normes. Donc, plan de modernisation FPMBOA, c'est le programme de mise aux normes, ça s'est fait en même temps. Ça date maintenant de presque 10 ans, voire plus de 10 ans dans certaines situations. Il faut repermettre aux producteurs de réinvestir dans des équipements qui leur facilitent la vie et qui facilitent le bien-être de leurs animaux. D'ailleurs, il y a une part imposée aussi dans la réglementation. Donc, un revenu, deuxième point, des conditions de travail améliorées, et troisième point, des conditions de vie également singulièrement améliorées, avec la possibilité de s'absenter, de prendre des vacances, de gérer de la main-d'œuvre. Revenu et main-d'œuvre, par exemple, ça va ensemble. Si on n'a pas les moyens d'avoir un vacher, eh bien, on ne peut pas se libérer. Si on a les moyens, si le revenu est suffisant et qu'on peut embaucher, on peut se libérer également. On crée de l'emploi et on se libère du temps libre et on a une vie normale qu'on va. Il faut mettre ces trois dispositifs bout à bout. Et puis le quatrième qui est plus philosophique, c'est quand même faire tout ça dans un climat de respect de la part de nos entreprises, parce que parfois les producteurs ont quand même l'impression d'être les dernières roues de la charrette. C'est toujours la variable d'ajustement. On demande des efforts à tout le monde, mais on en demande surtout aux paysans. Et on a l'impression qu'il y a, dans la chaîne de valeur, comme on dit, dans la répartition de la valeur ajoutée, il y a ceux qui se goinfrent et il y a ceux qui souffrent. Donc on serait plutôt du côté de... Sur ce premier pilier de la PAC, nous on dit qu'une aide unique hectare, quel que soit le territoire au niveau national, n'a pas forcément de sens, et qu'aujourd'hui on veut savoir plus. La question de la majoration des premiers hectares aujourd'hui, qui est posée par le ministre français, nous semble peut-être être une piste, en tout cas, qui pour JIA, qui n'a jamais défendu finalement l'historique, parce que l'historique pour un jeune, c'est son cédant qui l'avait constitué, il y a eu le découplage. Pour nous, il est important de se dire, pourquoi pas reconnaître la base de l'exploitation, les premiers hectares. Alors après, est-ce que c'est 50, est-ce que c'est 40, tout reste aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à réfléchir et à travailler, mais de majorer le début de l'exploitation, qui finalement est une valorisation de la base de l'exploitation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de la démarche des agriculteurs, au-delà du volume, du nombre d'hectares, mais de reconnaître ce qui fait la valeur ajoutée de l'exploitation, le début. Nous, ce qu'on a dit, c'est peut-être, et pourquoi pas réfléchir à cette majoration des premiers hectares, à condition, et c'est important pour les jeunes agriculteurs, de prendre en considération combien il y a d'actifs dans l'exploitation. C'est-à-dire que pour nous, s'il y a une majoration des premiers hectares, il faut qu'elle soit en tout cas, qu'on y applique la transparence des actifs, que s'il y a deux exploitants, qu'il y ait effectivement deux fois cette majoration, parce que l'élevage, en fait, a aussi beaucoup d'actifs, et en tout cas, pour nous, jeunes agriculteurs, c'est ça qu'on veut impliquer. Les politiques doivent être un véritable levier, d'avoir la capacité de reconnaître et d'inciter les systèmes d'exploitation à garder des actifs dans les exploitations. Et pour ça, c'est pour ça qu'on a une attitude, une attention tout à fait particulière pour l'élevage, qui du coup a cette capacité parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre en fait, à installer des jeunes notamment, et je crois que c'est notre point de vigilance. La PAC d'ailleurs, et ça vaudra pour l'élevage laitier, le commissaire veut mieux reconnaître l'installation puisqu'il propose aussi dans le premier pilier ce qu'on a appelé nous un top-up jeune, c'est-à-dire qu'une aide directe temporaire sur 5 ans, il pourrait consacrer jusqu'à 2% du premier pilier pour l'installation des jeunes agriculteurs, ce qui nous semble assez intéressant puisque c'est aussi à ce moment, ce serait déjà une façon de donner un peu plus de sens aux aides directes. Parce que on a eu le découplage, mais ça permettrait là sur un levier de dire voilà, sur l'installation, le démarrage d'une entreprise, c'est plus difficile, donc autant avoir à la limite un peu moins d'aide tout au long de sa carrière, mais un peu plus, et du coup, ce serait l'occasion avec le top-up au moment où l'entreprise se lance. Donc voilà, en tout cas aussi, à mon avis, un outil, un levier pour le renouvellement des générations d'agriculture et pourquoi pas aussi pour l'élevage qui, du coup, a besoin de renouveler les actifs dans les exploitations. Quand la valeur, dans une valeur alimentaire, la valeur du contenant est deux fois, trois fois supérieure à la valeur du contenu, il faut peut-être qu'on commence à s'interroger. Et là, on a un problème de fond. Donc voilà, ça, c'est des sujets. Alors, pourquoi je lis ça avec la PAC? Parce que certains de nos concurrents sur le terrain, aujourd'hui, véhiculent l'idée qu'il suffirait de prendre aux uns pour donner aux autres et on va régler le problème. Non. On ne va rien régler du tout. Moi, je vous fiche mon billet que si demain, on aligne tous les paiements, voire
on fait un deuxième bilan de santé où on double en gros la partie élevage par rapport à la partie grain. Ce qui sera donné sous forme d'aide sera capté par les intermédiaires. Elle n'ira pas dans la poche des producteurs. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des aménagements, je dis simplement il faut qu'on soit quand même conscient que c'est plutôt par la valeur du produit, par la valorisation du produit, par le travail sur la compétitivité et ce qui renvoie au travail sur les charges à faire, c'est par ce biais-là qu'on regagnera ce qu'on a perdu aujourd'hui en termes de résultats, de revenus, etc. Voilà, il y a un ensemble de sujets sur lesquels il faut travailler. C'est pour ça qu'on rentre là-dedans, notamment la gestion des crises, la régulation, enfin tous ces sujets qui sont évidemment très importants. Alors l'exploitation laitière de demain, on s'est toujours posé cette question, hein, déjà il y a 20 ans. Hein, finalement, on s'aperçoit que jusqu'à présent, il y avait quand même au niveau des structures une grande diversité. Hein, vous avez d'un côté des exploitations qui se sont beaucoup modernisées, se sont agrandies, des exploitations laitières qui aujourd'hui vont aller au-delà du million de litres de lait produit, avec peut-être plusieurs associés. Et vous avez à côté, toujours jusqu'à présent, des exploitations de taille familiale, avec entre 300 et 400 000 litres de lait, donc avec une dimension familiale. Bon, ces exploitations, est-ce qu'elles vont disparaître au profit des grandes structures demain? Très difficile à d'y répondre. Aujourd'hui, on peut estimer qu'à un horizon intermédiaire de 5 à 10 ans, la taille moyenne des exploitations laitières sera comprise entre 750 et 1 million de litres de lait, hein, donc avec des vaches à 10 000, donc vous voyez ce que ça fait comme effectif, hein, avec des systèmes avec ce qu'on appelle les espaces de vie laitière, c'est-à-dire à la fois pour les animaux en matière de bien-être, mais aussi pour les êtres humains qui travaillent dedans performants, hein, parce qu'effectivement la génération des jeunes paysans ou des paysans qui ont envie de demeurer dans l'élevage ne le fera, enfin cette génération-là ne restera intéressée par l'élevage que si les conditions de travail et de vie sont quand même acceptables. Donc ça passe sans doute par la robotisation ou des systèmes de traite qui font qu'on ne passe pas plus d'une heure dans la salle de traite le matin, une heure le soir, hein, quel que soit l'effectif, une heure et quart, hein, trois quarts d'heure de nettoyage, ça fait deux heures le matin, deux heures le soir, au-delà c'est rédhibitoire. Donc voilà, il faut que les bâtiments soient conçus comme ça, donc c'est ou la robotisation ou des systèmes performants de salle de traite qui dépotent, quoi, hein, c'est clair. Hein. Il faudra améliorer le revenu parce que c'est une des conditions de l'envie. Hein. Et puis, au niveau des conditions de travail aussi, permettre de libérer les gens, donc sophistiquer un peu les services de remplacement, les échanges de main-d'œuvre, des choses comme ça, parce qu'il faut pouvoir se libérer. On n'est plus dans un siècle où on peut bosser 7 jours sur 7 pendant que reste la société. On est aujourd'hui à la veille d'une grande mutation. Parce que toutes les études qui sont faites aujourd'hui nous disent que les points de collecte vont être diminués par deux demain, en 2020. Donc c'est demain, c'est pas... On est aujourd'hui à 60... Alors il faut aussi être prudent sur la communication. Si on veut une communication négative, on dit en France, il y a 75 000 producteurs de lait. Et si on veut une communication objective, on se dit en France, il y a 75 000 tanks, mais il y a 130, 140 ou 150 000 producteurs de lait. C'est qu'un exemple chez moi, un tank, trois producteurs. Donc en 2020, la France sera entre 35... et 40 000 tonnes en groupement, ce qui veut dire que en région Lorraine, département de Meurthe-et-Moselle, par point de collecte, on va quasiment être au million de litres. Alors ça va être une vraie révolution et on se pose plein de questions, comment on va financer tout ça? Parce que la place d'une vache aujourd'hui, c'est 6-7 000 euros dans un bâtiment neuf, et sans faire de folie, c'est... Donc 101 million de litres, c'est 110, 120 vaches, hein. On fait tous des vaches à 10 000, mais on sait que enfin, la moyenne, ça va économique, ça fait peut-être pas toujours 10 000. Donc ça va faire des investissements hyper importants, des mutations importantes. Alors après, est-ce qu'on va vouloir demain continuer le modèle français? C'est là que la PAC doit faire attention à ça. Avec du lait sur tout le territoire,
ça bouge. Hein. Je dis pas que là, il faut qu'il reste, il était à Frambois, qu'il y a 4 fermes, il faut qu'il reste 4 fermes à Frambois. On parle du territoire sur le bassin. Hein. Alors, est-ce qu'on veut, comme dans certains pays, des grands troupeaux, comme il y a un projet dans la Somme, des troupeaux à 3000, 4000, 5000 vaches. C'est aussi un choix de société, ça. Et c'est la même. Et c'est pour ça que d'affaiblir nos régions via la PAC, on va s'orienter vers ce que veut pas non plus le consommateur. Hein. Parce que bon, le problématique qu'on a aussi, le consommateur, ce qu'il veut, c'est ce qu'il y a en France. Il veut un troupeau de 50 vaches, machin. Ce qu'il a dans sa tête, le consommateur qui est en France, les vaches, elles ne voient pas le jour, tu sais, comme elles sont couchées sur de la merde, qu'elles sont fermées, qu'il y a 1000 vaches. Non, non. L'exploitation française moyenne, c'est 50 vaches légères. Votre sentiment sur cette réforme, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous qui rencontrez beaucoup les agriculteurs, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils... Je crois en tout cas que, bon, pour oui, avoir rencontré beaucoup d'agriculteurs depuis le mois de décembre, il y a deux choses qui émergent. La première, c'est que les agriculteurs attendent un discours de vérité de leurs dirigeants. Ils n'attendent pas que nous soyons des, ce que je dis souvent, des marchands de rêves. Il ne s'agit pas d'être non plus, d'assombrir le tableau, hein, ou d'être à l'excès très optimiste. Je crois qu'ils attendent un discours de vérité parce que derrière, eux-mêmes identifient qu'il y a sans doute plusieurs sujets sur lesquels nous pouvons agir, être mieux organisés, avoir des relations plus équitables, par exemple, avec la grande distribution. Enfin, un ensemble de sujets sur lesquels nous pouvons très concrètement être sans doute plus efficaces. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même que, je crois que ça se vérifie de plus en plus, il y a besoin aujourd'hui, il y a un grand besoin de reconnaissance de ce qu'est le travail de paysan. Et je pense en particulier à une dimension alors, qui est peut-être trop spécifique, mais elle a son importance. Les agriculteurs aujourd'hui sont quand même de grands techniciens. Ce sont des gens qui, d'abord, ont à disposition un certain nombre de réseaux de conseils, ils ont à disposition des outils d'aide à la décision, ils ont des technologies, ils ont des compétences, des connaissances. Et finalement, ils ont le sentiment aujourd'hui d'être traités plutôt comme, j'allais dire, des prestataires à qui on dit, enfin, on décide depuis Paris ce qu'ils doivent faire, à quelle date ils doivent le faire et comment le faire, etc. Il faut retrouver de la confiance, il faut retrouver de la crédibilité, il faut retrouver de la reconnaissance. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, par exemple, sur ces sujets où, agriculture, société, environnement, nous voulons absolument que ne passe plus par, par pertes et profits tout ce que la profession a mis en œuvre depuis des années, hein, y compris dans les pratiques agricoles, dans une agriculture qui est de plus en plus une agriculture de précision, tout ça doit être pris en compte. Je pense qu'on peut dire qu'à aujourd'hui, une exploitation agricole qui est une entreprise, elle n'est pas gérée comme ça parce que le grand-père ou le père faisait comme ça. Elle est gérée de plus en plus parce que l'acquisition de ses connaissances, les savoir-faire, les technologies permettent d'être de plus en plus pointues et de répondre justement aux problématiques de l'exploitation en question. Donc voilà, confiance, reconnaissance, rôle évidemment indispensable que jouent les agriculteurs sur le plan économique et social, sur les emplois, sur la valeur ajoutée, sur l'exportation, sur l'aménagement du territoire. Ce sont des sujets sur lesquels nous voulons aujourd'hui sans doute redonner... non seulement des perspectives, mais à un moment où ce gouvernement, cette majorité s'est dotée d'un ministère du redressement productif, nous affirmons que ce grand secteur d'agriculture, avec son amont, avec son aval, avec les services qui rayonnent autour, font partie de ce pôle productif. Il faut quand même qu'on lâche un peu la bride sur le coup, si je puis dire, et qu'on permette à ces agriculteurs de s'exprimer pleinement.